c'est d'après les ouvrages de Guy Debord. Il y a Guy Debord. Il y a aussi Loana. Les prises de vue sont de Guy Debord. Guy Debord a écrit la musique. Et le son a été enregistré par Guy Debord. Le montage est de Guy Debord. Guy Debord s'est occupé de la régie. C'est un film de Guy Debord. Il a été produit par Guy Debord. Le cinéma, disait Guy Debord, substitue notre regard à un monde qui s'accorde à nos désirs. Réminiscence d'une séparation pour cause d'égocentrisme et l'histoire de ce monde. Qu'est-ce que le Guy Debord unique ? Je ne répondrai qu'en présence de Guy Debord. Guy Debord ne veut pas dire ici Guy Debord transcendant et indiscutable. Non, mais un ensemble de Guy Debord hypothétiques, susceptibles d'être examinés, adoptés ou rejetés, qui est en fait un pari pour ou contre un certain état de Guy Debord et de son devenir. Il voulait tout réinventer, chaque Guy Debord, se rendre maître et possesseur de leur propre Guy Debord. C'est qui Guy Debord ? Le Guy Debord ne se produit pas lui-même. Il produit un Guy Debord indépendant. Le succès de ce Guy Debord, son abondance, revient vers Guy Debord comme abondance de la dépossession. Tout le temps et l'espace de Guy Debord lui devient étranger avec l'accumulation de ses Guy Debord aliénés. L'aliénation du Guy Debord au profit du Guy Debord contemplé, qui est le résultat de son propre Guy Debord inconscient, s'exprime ainsi. Plus Guy Debord contemple, moins Guy Debord vit. Plus Guy Debord accepte de se reconnaître dans le Guy Debord dominant du besoin, moins Guy Debord comprend sa propre existence et son propre désir. L'extériorité du Guy Debord par rapport au Guy Debord existant apparaît en ce que les propres gestes de Guy Debord ne sont plus à lui, mais à un autre Guy Debord qui les représente. C'est pourquoi Guy Debord ne se sent chez lui nulle part, car Guy Debord est partout. Mais c'est du Guy Debord ! Si le Guy Debord consommable est Guy Debord qui doit augmenter toujours, c'est parce que Guy Debord ne cesse de contenir la privation. Nous étions prêts à faire sauter Guy Debord, mais Guy Debord nous a fait défaut. M, comme je t'aime, même jusqu'à la haine. M, l'amour vaut la peine. Le spectacle n'est pas un supplément au monde réel. Sa décoration surajoutée, il est au cœur de l'irréalisme de la vie réelle. C'est rassurant d'avoir à vos côtés quelqu'un qui vous a aimé. La maison paraissait s'ouvrir directement sur la voie lactée. Ainsi nos conversations, nos fêtes, et nos rencontres, et nos passions tenaces. D'ailleurs, David et Cathy ne veulent rien de moi. Ni contrat, ni présence, rien. Juste que je sois bien avec eux, pour un moment, à Ibiza. Il est vrai que j'ai eu toutes sortes d'aventures, et je conviendrai qu'aucun genre n'a pu venir pour améliorer les autres. Je n'ai pas cherché à plaire. Ça me donne envie de me faire manger les seins. Plus rien ne marche. Et plus rien n'est cru. Moi, ma force intérieure sera le public. À mesure que la nécessité se trouve socialement rêvée, le rêve devient nécessaire.
Parce que depuis qu'on se parle, nous deux on ne s'entend plus, avec des mots déjà vus. Tout cela finira fort bien, ou fort mal, mais fort. Parce que quand tu rentres tard, tu ne rougis plus comme avant. Parce que j'invente des hasards chaque fois que tu me mens. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Parce que lorsque je suis nue, tes yeux ne me déshabillent pas. Parce que si je ne t'aimais plus, ça ne changerait rien pour toi. À la moitié du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d'une sombre mélancolie qu'ont exprimé tant de mots railleurs et tristes dans le café de la jeunesse perdue. Sur ma table de chevet est posée une biographie de Marilyn Monroe. Solitude et gloire, souffrance et séduction, sourire sur les feux de la rampe. Et un nounours dans le lit pour pleurer. Cela me ressemble un peu. Pour savoir lire, il faut savoir vivre. Connard. Le spectacle est l'héritier de toute la faiblesse du projet philosophique occidental. Bim. Guy Debord n'est valable que dans une période pré-Guy Debord. J'ai fait ce film maintenant qu'il est trop tard pour en parler.